Vous ayez des grands dirigeants, Dieu vous fera rentrer dans une ville, dans une dimension de la manifestation de sa puissance. Il nous fera rentrer dans une autre dimension de la manifestation de sa puissance. Et c'est le montant de la puissance.
ce geste. Démontrez, montrez la puissance de Jésus de Nazareth. Venez vous montrer à cette destinée. We have to show to the mystic people that Jesus is puissant. That Jesus is powerful. Dieu compte aussi nous. God relies on you. Par on us. To be testimonies. To be witnesses. And define mystic people. Nous devons les démontrer à puissance que Jésus est puissant. We have to destroy man. Nous devons détruire tous les sorciers. We have to define sorcerers. And see the power of God. Le monde tombe sur toi ce matin. The talent, the God talent on you this morning. Tombe sur toi ce matin. The God talent on you this morning. Il va commencer à ouvrir tes yeux. He's going to start opening your eyes. Il fera des grandes choses avec toi. And do good things to you. Aucun féticheur, aucun sorcier ne pourra te résister. No sorcerer, no fetishes can. Aucun sorcier ne pourra résister à ta parole. Amen. Aucun démon ne pourra résister désormais à ta parole. Parce que le ciel, le cœur de Dieu, la puissance est tombée sur toi. The victory is on you. C'est toi le choix de Dieu. It's you the choice of God. Jésus est puissant. Jesus is powerful. Nous avons le septième puissant. We have the power. Arrêtez cette manière bizarre de servir Dieu. We have to demonstrate. Démontrons la puissance de Dieu. Demonstrate the power of God. Démontrons la puissance de Dieu. Demonstrate the power of God. La parole, oh. Prince Bird. Give us the Holy Spirit.
Je vais enseigner sur les dons spirituels ce soir. I'm going to speak about the les dons et les manifestations. The spiritual talent today. Les dons et les manifestations. The spiritual talent and the demonstration ce soir. Tonight. Avec ça. At 8 p.m. Nous vivons avec des visions, frère. We must have visions, brothers. Bonjour. Nous vivons avec des visions. We must have visions. Dieu doit nous équiper. God must give us everything we need. Dieu doit nous équiper. God must give us everything we need. Alléluia. C'est le manteau de la puissance. It is the coat, the talent coat. Qui n'est pas n'importe qui. The coat power. Ne doit pas des personnes faibles. You have the power to build on you this morning. Pour affronter ce monde. Pour affronter ce monde mystique. To fight this spiritual, this mystical world. It's not a matter of class of the conviction and conviction. It's the question that you have the Holy Spirit. Alors je te rends toute la gloire. We give you all the glory. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Et puis pour toi, qui a trompé, écoutez ma voix. He's praying to you, for you. Internet. Through the internet. C'est à toi que je m'adresse. I'm speaking to you. C'est à toi que je m'adresse. I'm speaking to you. Tu es en Australie. You're in Australia. Tu es au Brésil. In Brasilia. Tu es aux États-Unis. In United States. Dans l'État de New York. In New York. De New Jersey. New Jersey. De Californie. California. Tu es en train de m'écouter maintenant. You're listening to me right pendant now. Que tu m'écoutes. When listening to me. Le Saint-Esprit tombe sur toi. The Holy Spirit is on you. Pendant que tu regardes cette vidéo. When watching this video. La puissance de Dieu. The power of God. Te terrasse. Et je vais chasser les démons de ta vie. And chase away les démons par de ta vie. The devils are on you. They're writing on you. Tu es un homme de Dieu. You are a man of God. Un pasteur, un prophète, un pastor. Reçois l'onction de Dieu. Receive the. Et dans ton milieu, tu es la puissance de Dieu. And you have to show the power. Tu es en France, en train de m'écouter. You are in France, listening to me. Tu es en France, you are in France, in Paris. Dans une ville de la France. In the town of Paris. Tu m'écoutes. When listening to me. Le Saint-Esprit vient jusqu'à toi. The Spirit is coming to you. Saint-Esprit, you are king and you are now carrying you. Le Saint-Esprit te délivre. The Holy Spirit is carrying you right now. Tu es un pasteur. You are a pastor. Tu es un pasteur. You are a pastor. Ton ministère prie tout. Your minister is a l'onction de receive the anointing of God right now. Le manteau tombe sur toi maintenant. You are a part of you right now. Tu es en Italie. He's speaking. Le Saint-Esprit te touche. Tu es à Londres, tu es en Belgique, dans toute l'Europe, everywhere in Europe. Tu es demain en Allemagne, in Germany. Et tu écoutes, and listen, et tu regardes cette vidéo. Le Saint-Esprit te touche. The Holy Spirit touches you right now. Tu es en Chine, tu es en train de me regarder. You're in China, watching me. Le Saint-Esprit te touche. The Holy Spirit touches you right now. Tu es en Russie, in Russia. Le Saint-Esprit te touche. The Holy Spirit on you. Tu es en Arabie Saoudite. In Arabie Saoudite. Le Saint-Esprit te touche. The Holy Spirit on you. Emirat Arabe. And then in Arabia. Le Saint-Esprit te touche. The Holy Spirit on you. Tu es en Maroc. In Morocco. Le Saint-Esprit te touche. The Holy Spirit on you. Ici même en Côte d'Ivoire. Even here in Côte d'Ivoire. Pendant que tu écoutes cette vidéo. Watching this video. Tu regardes cette vidéo. Watching le Saint-Esprit te touche. The Holy Spirit on you. Tu es en Guinée. In Guinée. Reçois le Saint-Esprit. Receive the Holy Spirit. Tu es au Nigeria. In Nigeria. Reçois le Saint-Esprit. Receive the Holy Spirit. Tu es au Ghana. Tu es au Togo. Tu es au Benin. Benin. Toute l'Afrique. Even all the Saint-Esprit vous touche. Receive the Holy Spirit. Dieu cherche une armée. God is looking for an army. Pour défier les mystiques. To defy mystic people. Dieu cherche une armée. God is looking for an army. Pour imposer son règne. To impose his reign. Pour imposer son règne. To expose his reign. Le règne de Jésus vient sur cette terre. So now with the power to the truth. Wherever you are. Jésus soit témoin. God must be in the Jésus soit Seigneur. Tu es au Canada. You are maybe in Canada. Tu es au Canada. In Canada. Quelque chose se parle dans ton corps. Something is happening. L'onction du Seigneur. In your body right now. Reçois la puissance. Receive the power of God.